Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Eva Medium. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage sentimental pour les béliers pour le mois d'octobre 2022. Alors j'ai scindé le général et le sentimental. Vous verrez les béliers, il y a peut-être un peu sentimental dans votre tirage général d'ailleurs. Vous pourrez aller voir sur votre tirage général, mais dites-moi si ça vous plaît, comme ça ce format, ça fait des vidéos plus courtes et je pense que c'est peut-être un peu plus sympa, vous me direz. En tout cas, on commence tout de suite avec trois cartes du tarot persan de Madame Indira pour voir un petit peu vos énergies pour votre tirage sentimental, les béliers, que vous soyez en couple, que vous soyez en triangulaire, que vous attendiez le retour de l'ex, que vous soyez célibataire. Allez, c'est parti. Pour votre sentimental, les béliers, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner en ce mois d'octobre 2022? Allez, on va tirer trois cartes pour vous, mes béliers. Nous dit Madame Indira. Ouais, hein, il y a eu des difficultés. On voit bien que voilà, il y a besoin de trancher hein, dans le vif. Alors, c'est la même. C'est la même. J'ai l'impression que vous n'allez pas tarder à dénouer des choses. Hein, en tout cas, à prendre des décisions, à trancher et à vous simplifier un petit peu la vie. Et c'est un peu l'idée hein, de cette carte. Ce qui va vous apporter un peu plus d'abondance, un peu plus d'oxygène, un peu plus, ça vous ancrer plus dans le matériel, hein, ça va vous donner plus de, plus d'opportunités. Alors, on voit bien que on vous met des blocages, ok? On va recouvrir cette carte. Alors, si c'est dans la vie sentimentale, c'est peut-être compliqué en ce moment pour vous les béliers, hein. Dites-moi en commentaire, hein, si ça vous parle. Alors. Ouais, vous avez une envie de vous isoler un moment, des problématiques de couple, hein, parce que c'est des embrouilles, quoi. Ok. Parce que peut-être que vous en avez assez de vous battre aussi, hein, tout le temps. J'ai l'impression que, voilà, il faut toujours être un peu... voilà, il faut toujours un peu se battre. Bah écoutez, on va regarder plus d'informations avec un tirage en croix. Avec l'oracle des miroirs pour vous. Alors, pour les béliers qui sont en couple. Allez, on prend trois profondes respirations abdominales. Qu'est-ce qui va se passer dans votre mois d'octobre 2022, les béliers? En couple. Alors, il y a un coup de chance qui arrive. Ça va être vécu comme un cadeau. Il y a l'univers qui vous fait un gros cadeau. Alors, il y a peut-être une correspondance qui arrive que vous attendiez. Hein. On va regarder ça tout de suite. Allez, pour les béliers en couple. Qu'est-ce qu'on a, mes amis? Alors, hop. On voit qu'il y a des correspondances qui arrivent. C'est bien pour vous. Alors, vous mettez ça vraiment masculin ou féminin. C'est pas, y a pas de genre hein, dans les tirages généraux. Attention quand même, prenez soin de vous. C'est important de vous recentrer sur vous. En tout cas, il y aura des accords. Je pense qu'ils vont vous apaiser parce que on a vu qu'il y avait du stress suite à une trahison. Okay. Donc, s'il y a une trahison dans votre couple, je pense que vous allez pouvoir discuter et faire en sorte d'apaiser les choses. D'apaiser les choses. Voilà. Hein. Mais par contre, vous apprenez de vos erreurs, vous apprenez du passé. Ouais. Gardez un petit peu les choses en tête. Hein. Allez. C'est parti. Ouais, ça va se réunir, les béliers en couple, ça va discuter. Alors, ce qui bloque peut-être, c'est les enfants. On avait vu dans le général, pour certains, qu'il y aurait des ruptures. Peut-être que ce qui bloque, c'est les enfants. En tout cas, il y a peut-être des soucis aussi avec vos enfants. Alors, on vous a peut-être accusé, on vous a peut-être montré du doigt.
Ouais, c'est ça, il y a des risques de séparation en couple, hein. Et vous le savez, hein, vous le ressentez. Alors, on va regarder hein, ce qui va se passer, mais j'ai l'impression que, quoi qu'il arrive, c'est une chance pour vous parce que l'univers vous remet sur votre chemin ou vous laisse sur votre chemin, d'accord? Alors, oui, si ça a été, s'il était question de séparation, bah, il n'y aura pas de séparation, hein, la personne revient. Donc, vous allez le vivre comme une grande chance, vous allez le vivre comme quelque chose qui, voilà, qui... un cadeau un peu de l'univers, peut-être, ben, et prendre conscience aussi que ben, les accusations, il faut laisser couler, faut pas que ça vous inquiète. Bon, ben, c'est plutôt un très très joli tirage. En tout cas, en couple, vous allez pouvoir régler vos problèmes. On va regarder tout de suite hop, pour les béliers qui sont en triangulaire. Allez. Pour les triangulaires, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour les béliers en triangulaire? Hop. Je vais bien mélanger les cartes quand même. Allez, hop, on fait une coupe. Alors, vous vous renfermez sur vous-même parce qu'il y a de l'instabilité. Ok. Ouais, j'ai l'impression que vous n'aimez pas cette instabilité de la triangulaire. Hein, ça ne vous convient pas. Bon, en tout cas, si vous n'aviez pas vu la personne depuis longtemps, parce que c'était les vacances, etc., cette personne revient. Ou parce qu'il y avait d'autres raisons. Hein. Allez, tirage en croix pour les triangulaires. Pour les béliers, pour le mois d'octobre 2022. Yes. Alors, retour de cette personne, peut-être qui vous culpabilise ou vous vous sentez coupable de quelque chose. En tout cas, j'ai l'impression que l'univers va... Ça, c'est... Pour moi, c'est un jugement, c'est-à-dire que paf, les choses vont être jugées. Par rapport à une trahison, d'accord? Par rapport à ça, bah c'est un petit peu ce que j'avais hein, chez les couples. Hein. Vous aurez... vous allez vous... Je pense que vous allez parler entre vous, ok? En tout cas, vous vous sentez trahi, hein, les béliers. Alors, c'est bien chez vous que ça se passe. La victoire n'est pas encore là, mais elle approche. Alors, peut-être que vous voulez effectivement vivre avec la personne, que la personne n'est pas disponible et que c'est compliqué et que ben, ça arrive, mais c'est pas tout de suite, tout de suite. Alors, j'ai l'impression que la nuit, vous y pensez, vous en rêvez, mais c'est pas que des jolis rêves, c'est aussi... ben voilà, c'est pas des cauchemars, mais bon, c'est pas agréable. Hein. Ben, c'est pas des super nuits, les béliers. Ça a même impacté votre santé. Voilà. Donc, alors, il y a quand même des échanges, des discussions hein, par rapport à cette question. Donc, je pense que la personne en face n'est pas fermée. Ouais. Vous savez que, en fait, alors c'est tombé tout seul, hein, mais probablement, ce qui bloque beaucoup, c'est l'argent. Vous le savez, d'accord? Vous avez cette intuition-là. Et vous savez que ben, le jour où cette personne vient avec vous, où vous vous mettez ensemble en couple, eh ben, ben l'autre ne va pas l'accepter. Hein, et finalement, il y aura des accusations. Donc, ça va être un peu compliqué. Allez. Mais en tout cas, il y aura des beaux projets, d'accord? Il y a des beaux projets. Donc, lâchez prise, laissez l'instabilité derrière, ne vous renfermez pas. C'est une question probablement de temps, ok? Et il faut pas que ça impacte votre santé. Donc, dormez, lâchez prise, détendez-vous, hein, les triangulaires, ok? Allez, ben, c'est un tirage qui vous dit de prendre soin de vous aussi, hein, d'accord? Ok. Allez, on passe tout de suite aux béliers qui attendent le retour de l'ex. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées.
Alors, par rapport au retour de l'ex, il y aura un coup de chance par rapport aux enfants. Alors, est-ce que vous étiez disputé à cause des enfants? Est-ce que vous avez des enfants ensemble? C'est possible. Alors, dites-moi en commentaire hein, comment ça vous parle. Mais en tout cas, par rapport à ça, par rapport aux enfants, il y aura un coup de chance. Hein. Allez. Pour le retour de l'ex. Pour les béliers. Alors, on voit qu'il y a un renouveau. Hein. On voit que l'univers vous envoie un cadeau. Hein. J'ai l'impression que cette personne, elle va revenir. Okay. En tout cas, oui, il y avait une question d'hérédité, il y avait une question d'enfant, il y avait une question d'argent. C'est possible aussi. Allez, retour de l'ex pour les béliers. Pour le mois d'octobre 2022, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, ouais, il y a de l'apprentissage, ok. J'ai l'impression que des deux côtés, il y a eu un apprentissage. Suite à ça, il y a une nouvelle opportunité. Hein. Il y a une nouvelle opportunité parce qu'on voit bien que le lien, on voit bien, il y a écrit destin sur la porte, mais... ça fait partie de votre destin, ça fait partie de votre destinée. Et donc, la porte se réouvre parce que j'ai l'impression que vous avez refait, vous avez chacun fait le travail de votre côté. Vous êtes soutenu par vos amis, en tout cas. Hein. Alors, c'est vrai que depuis la rupture, c'est vos amis qui vous ont soutenu. Mais j'ai l'impression qu'avec la personne, il y a eu des accords. Il y a eu des accords suite à cette séparation. Et sur du retard, on voit bien que vous le ressentez, mais quand vous allez vous remettre ensemble, on va vous montrer du doigt. Mais ben Alex, il revient, hein, puisque vous avez la victoire. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais j'ai l'impression que ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais ça, après, si ça ne leur plaît pas, ça leur appartient, j'ai envie de dire. Alors, on vous demande de rester serein, de rester tranquille. Alors, ce qui bloque, c'est le temps. Ben ouais, vous êtes impatient. Mais dans le temps, les choses vont se remettre en place. Et c'est bien pour vous, ok? Donc, même si ça, c'est une femme hein, sur le dessin, ça peut être pour vous si vous êtes un homme, d'accord? Mettez ça dans votre contexte. On voit que vous aurez des choix, de toute façon, à faire, ok? Par rapport à ce retour. Bon, en tout cas, les choses vont se remettre en place assez rapidement, au niveau charnel tout du moins. Alors, j'ai l'impression que c'est une relation en même temps où il y a le côté très, très sensuel et en même temps, il y a le côté amical. Hein. C'est peut-être même quelqu'un qui fait partie de vos amis. En tout cas, c'est un soutien amical. Et j'ai l'impression que vous allez trouver un compromis. D'accord? Alors ça peut aussi vouloir dire que finalement, vous allez vous remettre avec votre ex et ensuite, vous allez pouvoir vous paxer, vous marier. C'est possible aussi. Hein. Mais dans le temps, hein, c'est ce qui bloque. Ok? En tout cas, il y aura des beaux projets. D'accord? Donc pour ceux qui souhaitent une grossesse, ceux qui souhaitent et qui le peuvent, mais surtout des nouveaux projets avec l'ex. Ok? Donc, plutôt beau tirage. La seule difficulté, c'est de rester un peu patient par rapport au temps. Et il y a des choix à faire, effectivement. Mais sinon, retour de l'ex. C'est très, très bien. Allez, on passe tout de suite au célibataire pour vous, mes amis béliers. C'est parti. Pour les béliers célibataires, les énergies sentimentales pour votre mois d'octobre. Dites donc, il y a une rencontre avec quelqu'un avec qui il y a énormément d'attirance. Waouh! Je vous le souhaite. En tout cas, pour les gens que je connais, c'est ce qui va se passer. Alors, il y a toujours cette histoire de verdict. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'en passer par la loi, finalement, pour se libérer d'une énergie? En tout cas, pour moi, ça, c'est l'univers qui dit la rencontre, elle arrive.
Et pourquoi je dis la belle rencontre, elle arrive? Parce que dans votre deck, il y a la célébration. Il y a l'union, la célébration. Ok. Donc là, c'est la carte du mariage. Mais voilà, mettez ça dans votre contexte aussi. Si vous n'avez pas envie de vous marier, c'est peut-être l'union. Voilà. Allez. Pour les célibataires, vos énergies. Donc, hop. Ah oui, hein, un mariage devant la loi, un mariage d'amour. Bon, je peux rien dire de mieux, hein. Voilà. Hop. Alors ça, c'est pas tout de suite, tout de suite. On est dans le dotex. Mais ça va arriver. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que peut-être que cette rencontre, ça va être avec quelqu'un qui sera d'abord un ami. Il y aura de l'attirance, puis ça va être une relation peut-être un peu ambiguë au départ. Ce qui va bloquer, c'est que vous attendez ce changement qui n'arrive pas tout de suite. Alors, vous allez peut-être rester amis un petit peu. Mais c'est un grand oui. Et j'ai l'impression que, effectivement, vous allez passer du stade amical au stade un peu plus intime. Alors, qu'est-ce qu'on me dit dans le temps? Bah oui, ça va demander un petit peu de temps, mes amis célibataires. En tout cas, il y aura des jalousies. Il y a toujours. C'est dommage, hein, mais cette carte, elle tombe souvent. Les gens jaloux, vous en foutez un peu. Allez, vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport aux jalousies, mais laissez couler, hein. Ça n'a pas d'importance, il ne faut pas que ça vous touche. C'est vraiment le... Restez zen par rapport à ça. Prenez de la distance, voilà, on vous dit, vous prenez de la distance, alors ça c'est la carte de la distance, mais au sens figuré, c'est quand même prendre de la distance par rapport aux gens jaloux, aux énergies des gens jaloux, ce qui vous renvoie. Ça ne vous intéresse pas, mes amis. Voilà, voilà. Bah, écoutez, c'est un super tirage. En tout cas, il y a de belles rencontres, j'ai l'impression, pour vous, les béliers. Donc, restez observateurs. Tenez-moi au courant. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner si ça vous a plu. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Et je vous dis à bientôt. Gros bisous.